de la balance, heureuse de vous retrouver pour le nouvel agenda. Fin du mois d'octobre, début novembre, des anniversaires, des balances, des scorpions. Enfin, tout va bien, on est dans de bonnes énergies, je vous le souhaite. Merci pour vos likes, vos commentaires et merci aussi pour vos abonnements. Lundi. Oh, alors, on a beau mettre de l'eau dans son vin, ici, ça n'empêche pas qu'il y a de la tension dans l'air. Une tension dont on se passerait bien. Alors, de la tension, ça peut être aussi, on se ménage, mais on a des douleurs. Donc, s'il y a des balances qui ont un petit peu de difficultés par rapport à une énergie difficile au niveau corporel ou avec les autres, sachez qu'effectivement, il peut y avoir un petit peu de tension dans l'air ce lundi. C'est dommage, mais que faire? La balance va tout à fait bien gérer tout ça. Hein. Évidemment, vous risquez de prendre la tangente. Si on vous enquiquine, vous allez prendre la route qui va sur le côté pour éviter ces embûches. Maintenant, si c'est au niveau corporel, vous pouvez avoir quelques douleurs malgré le fait que vous faites attention. Mardi, on a des étoiles. On communique au sujet d'une décision, au sujet d'un choix qui concerne peut-être le travail, qui concerne aussi la communication avec un docteur, possiblement. Évidemment, si là, c'est au niveau corporel, et bien, le lendemain, vous allez peut-être communiquer avec le médecin pour lui demander un traitement, pour lui demander une visite, quelque chose comme ça. Vous êtes plutôt fataliste ici, hein, j'ai envie de dire, avec l'étoile, vu que vous ne cachez rien de votre situation. Mais effectivement, restera les décisions à prendre. Hein. Je dirais que ça peut mener tout ça vers une décision un peu imprévue. Mercredi. Regardez. L'imprévu, c'était le mardi et le mercredi, on discute d'une situation pour laquelle on a tranché, pour laquelle on a pris une décision avec l'arcane sans nom. Hein. On nettoie, on coupe, on récolte ce que l'on a semé le mardi et on en discute, bien évidemment. Ça fait partie de l'accord, de la convention, de quelque chose qu'il nous faudra peut-être signer ici. En lien avec une structure, une administration, une entreprise. Mais décision assez rapide pour vous, malgré les discussions qui s'en suivent. Jeudi. Alors, on est un petit peu dans l'étude personnelle d'une situation. On l'examine. On se demande pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment gérer au mieux cette situation, puisque l'ermite nous parle quand même d'une idée d'être seul à prendre une décision et de faire le point aussi par rapport à cette décision. Donc, c'est sûr qu'on en discutera après. Hein. On va parler de ce qui nous a convenu, des incertitudes, de quelque chose qui nous tracasse probablement. Mais pour cela, on se met en retrait et on fait le point sur soi. Comme la bonne balance que vous êtes, vous n'allez pas tout de suite délivrer l'information de ce doute, de cette petite problématique qui vous préoccupe. Vous trouvez la meilleure façon d'en discuter et après, vous irez en discuter avec la personne en particulier, qui est d'ailleurs peut-être une personne jeune. Hein, ça peut être un de vos enfants par rapport à un engin de transport, par rapport à un déplacement qui est à faire. Vous avez besoin de faire le point. Vendredi. Ouf, le diable et le serpent. Alors là, mes amis, on rigole plus. Ben, le diable, c'est qu'il y a de la manipulation, des choses cachées.
Le serpent qui regarde, eh ben, franchement, l'équipe, elle n'est pas formidable. Hein? Si vous avez ça autour de vous, fermez vite la porte. Ben oui. Maintenant, évidemment, si vous êtes dans un relationnel qui n'est pas officiel, eh bien oui, il se peut que, il y ait ce vendredi un contact un petit peu en dehors des clous avec quelqu'un. Et à ce moment-là, évidemment, c'est votre choix, c'est votre décision, même si c'est le diable qui a un côté très charnel et le serpent qui nous parle de rival, de tromperie aussi, hein, eh bien, vous pouvez avoir ce genre de contact pour ce vendredi. Sinon, ouvrez bien les yeux et les oreilles pour éviter ce genre de personnage si ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Week-end. Oh! Le soleil est enfermé dans la boîte. Bon, vous aviez peut-être prévu une sortie en pensant qu'il allait faire beau, sortie avec des personnes que vous aimez, et visiblement, ben, il fait pas beau. Donc, communication, évidemment, sur quelque chose qui vous est pénible, mais auquel vous devez renoncer ce week-end. Ce n'est pas très grave, hein, attention. Mais ça fait que ben, ce bon moment que vous aviez prévu, envisagé, ben, peut-être que par rapport au temps, il ne pourra pas être réalisé, tout simplement. Donc, eh ben, partez au cinéma, les balances, hein? Faites une raclette à la maison. Mais dans tous les cas, je suis sûre que vous allez passer un bon moment parce que vous êtes bien accompagnés. En ce qui concerne le message vibratoire de ce week-end, vous vibrez sur l'énergie de la force intérieure. On vous dit que vous vibrez et que vous émanez l'amour, que vous l'attirez, que vous êtes entouré de cet amour. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui vous manque un petit peu cette semaine. Il faut en donner pour en recevoir de l'amour. C'est une évidence, hein. Et surtout pour le conserver, est-ce que vous avez donné assez d'amour pour conserver celui qu'on a pour vous? Donc, vibrez cet amour, faites part aux gens que vous les aimez, communiquez avec eux, contactez-les, dites-leur que vous êtes toujours là et que vous les aimez, tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne semaine des balances.